dès sa naissance. Un Versaillais c'est qu'il se devra d'aller très loin. Déjà pour se rendre à la capitale, il est obligé de prendre le train. J'ai grandi dans cette ville construite autour d'une petite cabane de chasse, où le poids de l'histoire te rappelle qu'il faut que tu t'effaces, afin de rentrer dans un rang d'enfants tous très sympas, dont les principaux passe-temps sont le scoutisme et le bénévolat. Le carcan social est lourd, tout comme la masturbation rend sourd. C'est ce qu'il me répétait au catéchisme après les cours. Jamais un Versaillais ne sera capable de faire de mal à une mouche. C'est impossible, puisqu'au fond de lui il respecte bien trop la vie. Moi c'est en grandissant à leur côté que je suis devenu un fervent défenseur en faveur de l'avortement ainsi que de l'euthanasie. Pour savoir à quoi ressemble une ville de province dans les années 60, il n'y a pas besoin d'inventer de machine à remonter dans le passé. En partant de Paris, il suffit de prendre de bons RERC. Je suis inquiet, toutes les rues d'ici semblent avoir une maladie. Je ne suis pas docteur Esville, mais je crois bien que c'est l'ennui. Il y a aussi la France française, mais son style est nettement plus démodé. Le soir, il n'y a rien à faire à part prendre des verres, place du marché. Si les parents de François s'absentent, un squat sera sans doute organisé. Nous y descendrons quelques passes de croc en écoutant du rock et fumant des joints. Il n'y aura sûrement pas de filles, mais l'alcool et la drogue, c'est déjà bien. Car nous sommes des rebelles sans cause depuis que l'argent nous les a enlevés. Certains vivent même dans des camions et font de la techno dans la forêt. Et chaque jeune a dans son placard un t-shirt à l'effigie du Che, même si la plupart sont incapables de pouvoir expliquer qui il est. Enfermés dans leur chambre, Jean-Benoît et Nicolas écoutaient Pink Floyd en rêvant de fonder un groupe de rock pour pouvoir vivre de leur musique. Mais perdus entre les trois avenues, ils entendent la ville leur chuchoter qu'un vrai métier c'est architecte ou professeur de mathématiques. De faire partie d'une élite éduquée, alors que tous se piquent leur place dans la queue de la boulangerie ou du marché. Je ne connais pas d'autres endroits où à 40 ans les femmes portent encore des serre-têtes en velours, attendant deuxième enfant et vont se confesser tous les jours. C'est d'ailleurs ici que plein de jeunes ont rencontré notre Seigneur Jésus. J'ai beau arpenter les rues, pas de chance, je n'ai jamais vu. Marie-Charlotte aimerait me faire croire qu'elle a quelques amis basanés, mais ce ne sont que Pierre et Louis qui rentrent bronzés de l'île de Ré. Dans la bibliothèque municipale, le temps semble soudain s'être arrêté, ce qui n'empêche personne de réviser pour Sciences Po ou HEC. Ici, bizarrement, il y a des choses dont on ne parle pas, comme du nombre de jeunes qui chaque année se suicident en classe prépa. Ils pourront dire ce qu'ils veulent selon septembre et ses événements. Pour moi, ce ne sont que des Versaillais voulant capter l'attention de leurs parents. Je pourrais partir 20 ans, à mon retour rien n'aurait changé. Quoi qu'il advienne, je porte en moi d'être né sous le signe du V. Sous le signe.